Lutte contre le cyberharcèlement, respect de l'environnement, situation en Ukraine. Lori Tillman est une influenceuse engagée. Elle a apporté son soutien à une autre initiative, lancée par Etam. L'ex Miss France en a célébré le lancement en musique, en compagnie de Léa Castel et de Carla Bruni. Mardi 22 mars 2022, Lori Tillman s'est rendue à la Monnaie de Paris, au 11, quai de Conti, dans le 6e arrondissement. L'établissement accueillait les invités de la soirée de lancement des Femmes Culottées, nom de l'initiative d'Etam au profit du réseau associatif Solidarité Femmes. À cette occasion, Lori a découvert son portrait et ceux de 51 autres femmes photographiées par Sonia Sieff, toutes vêtues d'un t-shirt blanc imprimé de la phrase « Femme culottée », disponible à l'achat en ligne ou en magasin pour 19,99 € et dont l'intégralité des bénéfices seront reversés à Solidarité Femmes. Sur le sien, Lori a justement posé en sous-vêtements. À la soirée, Lori portait un top noir et un costume blanc cassé de sa propre marque, Parisienne et alors. La présentatrice télé était spectatrice du show très intime de Carla Bruni, qu'elle a personnellement remercié sur Instagram. Elle s'est ensuite déchaînée en musique, avec son amie mannequin Mélodie Vaxler.